York City, hôte de la festival du film Sundance. Cet immeuble, hôte du studio photo et vidéo en Sundance, du journal célèbre, le Los Angeles Times. Voici Jay, il est photographe. Il y en a qui disent que tout ce qu'il fait, c'est d'appuyer sur un bouton. Il y en a des autres qui disent qu'il attrape la vie éternelle. Pour lui-même, Jay dit qu'il fait simplement son boulot. Boulot, ouvrier, artiste. Des définitions que nous permettons aux autres de nous donner, que nous permettons aux autres de donner à notre travail, à nos cœurs, à nos âmes. Un appareil photo, c'est simplement un outil pour exprimer les instincts artistiques qui coulent de son âme. Les comédiens permettent à Jay de prendre un tout petit moment de leur vie et de la poser pour toujours. Voici Kent. C'est l'assistant de Jay. Franchement, il fait la plupart du travail et Jay prend tout le crédit. Le coin vidéo. 24 images par seconde. Voici Marc. Il est vidéographe, mais il y en a qui disent qu'il est documentariste de vie. Voici Yadi. Vidéographe, éditeur, producteur. Dans ce studio, on déconstruit ce tout petit moment de la vie que l'appareil photo s'attrapa et puis on la reconstitue, on l'augmente, on la glorifie. Et voilà, c'est tout, mais ce n'est pas la fin. Vous pouvez voir ces photos et regarder ces vidéos sur le website latimes.com, sur notre YouTube, sur nos chaînes de médias sociaux. Vous aussi, vous pouvez participer dans le voyage artistique qui commence ici, mais qui vit pour toujours dans l'histoire de l'humanité. Fin.